à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer une façon de dessiner 2022. On va essayer de faire ça un petit peu en mode décoré, tout ça. C'est parti, donc j'y vais directement au Sharpie. N'hésitez pas à y aller au crayon, vous, si jamais... voilà. Alors, c'est parti. On fait ça un petit peu cartoon, hein, 2022, donc c'est 0 et 22, quoi. Comment est-ce que je fais ça? Ok, alors oui, là c'est moche, hein, mais on va bien sûr améliorer tout ça. Ok, voilà ce que ça donne. Donc là, évidemment, c'est moche. Première étape, on écrit juste les lettres. Deuxième étape, on améliore tout ça. Donc là, on contourne. Pour le moment, je fais pas de perspective ni rien. Ça arrivera après. Hop. Hop, ok, tac, ok. Putain, vous savez quoi? Vous savez ce qui serait drôle comme vidéo? Mais bon, j'ai pas trop le droit de faire ça normalement, mais ça pourrait être super drôle comme vidéo, genre une vidéo où je fais les devoirs d'art plastique de certains abonnés, genre. Bon, de base, faut pas le faire, tu vois, mais bon, c'est bon, genre, c'est pas un truc de ouf. Après, ils pourraient très bien ne pas donner ça à leur prof, tu vois. Mais ce qui serait drôle, c'est de voir leurs notes, tu vois, c'est de voir leurs notes en mode moi je fais les devoirs d'art plastique de certains abos, putain, ce serait trop drôle. Mais après, bon, on faudra voir. Faudra voir si c'est possible à mettre en place. Au pire, je préviens le ou la prof d'art plastique concerné. Je dis ouais, c'est pour une vidéo, tu comprends. Hop. Hop, alors là je fais ça en impro, hein, donc n'hésitez pas à apporter vous vos touches personnelles quand vous le faites. Là je fais ça pour vous inspirer, même si bon je sais pas si ça va être bien à la fin, mais on va voir ça. Voilà. Alors, c'est de l'ASMR. Ouais, enfin de l'ASMR Sharpie. Je sais pas si c'est très relaxant, mais bon. Ça, Shadi, j'arrive pas à faire une chaîne secondaire. Bah, il y a des tutos pour ça sur YouTube. Hein. Tu tapes comment créer une chaîne, ou alors comment créer plusieurs chaînes, et tu vas réussir à trouver. Pas de souci. Chadessin, comment tu as écrit? Alors j'ai toujours pas compris. Comment tu as écrit ton compte Snapchat? J'ai pas compris. Comment tu écris ton compte Snap? Peut-être Olivier, tu veux me demander? Alors ça s'écrit Chaddiii. Chaddiii. Je rappelle que vous pouvez gagner des dessins gratuitement grâce à TikTok. Il suffit de télécharger TikTok avec mon lien et vous mettez mon code. Après, n'oubliez pas, c'est ça qui valide votre participation. Je vous envoie mon lien. N'hésitez pas à tenter votre chance.
Je fais vraiment gagner plein de dessins. Peut-être pas à tous les gens qui le font, mais genre une personne sur deux, une personne sur trois, tu vois. Mais il faut que ce soit validé, hein, sinon c'est pas possible. Évidemment, après, on colorie en noir hein, l'espace. Là, d'un coup, ça va paraître un petit peu plus beau comme dessin. Puis après, on fera un petit peu de custom, de perspective, de 3D. Tout ce qui va, quoi. Bonne année, bonne année. Tu connais Hugo? Je t'ai dit, ouais, bien sûr. Il y a une vidéo avec Hugo qui va bientôt arriver. Normalement, la semaine, peut-être même demain soir, les gars. Hein. Peut-être même demain soir, la vidéo avec Hugo. Donc ça va être cool, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je voulais dire bonne année à toi et bonne année à vous. Bonne année, Kessie. Dédicace à MRT. C'est stylé, merci. Perso, je fais mes devoirs en regardant le live. Tu fais tes devoirs la fin des vacances, toi. Pas bien ça, fallait le faire le premier jour. C'est moi qui dis ça, putain. Moi, quand j'avais des devoirs à faire, c'était le matin, tu vois. Genre, c'était le lundi matin avant la rentrée. Alors là, vous voyez un petit souci. Je pense qu'on va épaissir là, comme ça va peut-être paraître mieux. Non, même pas. Bon, on verra après, de toute façon. Hop, hop. Alors, salut Drex. Tu vas bien? Bonne année à toi et à tous tes proches. Merci KZ. C'est quoi ton style de dessin? Plutôt cartoon. Et si tu veux voir c'est quoi, bah, je te laisse aller voir mes vidéos. Son Insta, c'est chat dessin YTB. T'as oublié le TB. De toute façon, vous avez tout en description. Hein. C'est où on met le code? Alors, je ne sais pas. Mais normalement, c'est expliqué dans le lien que je vous envoie. Mais vous ne pouvez pas mettre le code si vous avez déjà TikTok. Faut que ce soit la première fois que vous le téléchargiez. Sinon, vous ne pouvez pas mettre le code. Il doit y avoir un endroit où tu peux rentrer le code de parrainage, un truc comme ça, tu vois. Bon, là déjà, on a notre 2022. On va dire c'est. Ça commence à ressembler à quelque chose, tu vois, alors qu'au début c'était vraiment archi moche. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, maintenant, on va rajouter un peu de perspective. Comment on l'a fait? Est-ce qu'on fait une perspective fuyante ici vers le centre? Est-ce qu'on fait un truc un peu juste décalé? On pourrait décaler par là, on pourrait décaler par là. Tiens, on va aller regarder des idées un petit peu. On va capter. Ouais. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Les tags, non?
On appelle ça des tags. Des graffitis. Ouais, c'est plus des. Pardon, des tags, ouais. Ouais, non, ça, je suis pas trop fan. Putain, c'est joli. Putain, t'en as, ils sont super créatifs là-dessus. Hein. Il y en a, ils font des dingueries. Hein. Il y en a qui font des dingueries. Ouais, non, ils appellent ça graffiti, tableau. Ouais. Tu peux mettre de la couleur aussi, évidemment. Et nous, les gars, ce qu'on va faire, c'est. On va faire juste une petite perspective décalée sur le côté en haut, là. C'est comme ça que je le vois. Puis on verra après ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Hop. On fait pas ça proprement, hein. On fait ça. Enfin, vous pouvez le faire proprement si vous voulez. Moi, je fais ça un petit peu à vue d'œil. Donc tout en décale. Alors ici, ouais, on pourrait faire ça comme ça. Hop. Alors là, c'est trop petit, donc je vais pas le faire. Hop, hop. Ok, c'est un délire comme ça. On améliore. Puis après, on va faire des petits contours, des petits trucs. Ok, c'est parti. Ok, là normalement à l'intérieur du coup, bon, on ne voit pas, c'est trop petit. Hop, hop. Vous voyez alors que c'est totalement... au début, vous avez vu comment c'était? Tu vois à la fin ce que ça donne comme quoi. Encore une fois. Toujours moyen de rattraper ses dessins. Ok, bon. Il utilise les OU, les doctypes et des promarqueurs. Alors dans le live, oui, mais sinon, vous avez en description tout ce que j'utilise de manière générale. Il a dit après le live, j'ai dit après le live, tu pourrais dire à ta copine que je suis une abo. Ouais, avec plaisir. Un abo, ouais, Kessie. On rattrape pas, on corrige. C'est la même chose, Benham. Tu peux faire du Harry Potter, je pense pas. Et genre, ce qu'on pourrait faire, on pourrait même faire ça avec de la couleur en vrai. Moi, j'ai la flemme de mettre de la couleur. Je vais faire ça en noir et blanc. Vous pouvez faire ça avec de la couleur. Mais on peut déjà rajouter des effets. Sur nos lettres, hein. Genre, après ça, pareil, vous faites ce que vous voulez, c'est des motifs, hein, tout simplement. Moi, je vais juste faire des bandelettes comme ça. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hop. Voilà. N'hésitez pas à varier vos motifs.
d'une lettre à l'autre. Alors, fais un Covid avec une barrière dessus. Bon, j'ai déjà dessiné le Covid, enfin le coronavirus au tout début. Ça date tellement maintenant. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, on vit avec depuis longtemps quand même, hein, putain. Hâte que ce soit derrière nous quand même. J'espère pour bientôt. C'est pour le code sur TikTok, je t'ai envoyé un snap. Ok, je regarde après. Je regarde dès que je termine le 2022. Je regarde. À l'intérieur des chiffres, tu pourrais mettre des couleurs. Bah oui, mais je vous ai dit, vous pouvez bien sûr mettre des couleurs. Moi là, je vais faire tout noir et blanc parce que j'ai un peu la flemme. Mais vous pouvez mettre des couleurs si vous le faites, ça passera très bien. Ouais. Ok. Après, vous pouvez mettre un support, vous pouvez mettre de... Ah, ce qui peut être sympa dans ce genre de choses, c'est dessiner des ombres portées. Alors, je ne sais pas trop comment bien faire ça, mais en gros, le délire, c'est de faire un truc comme ça, tu vois. De faire un truc comme ça, et tu fais ton 2 que tu dessines un peu comme ça, tu vois. Bon, je fais ça vite fait, je vous montre juste ce que ça donne. Mais globalement, tu fais un truc comme ça. C'est des ombres, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça ultra propre. Après, bien sûr, normalement, faut bien regarder chaque lettre, comment elle est faite et tout, tu vois. Voilà, tu peux faire un truc comme ça et puis vous dessinez l'ombre. Je fais ça vite fait, moi, mais je vous montre vite fait ce que ça donne, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça stylé. Allez, on arrête là pour le 2022 et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.